Allez, bonjour à tous les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. Donc, pour la deuxième vidéo de cette année 2018, donc la première vidéo que vous avez peut-être sûrement vue, mais si c'est pas le cas, ben allez la regarder. Donc, on se retrouve dans cette vidéo, donc pour la présentation d'un mode, bah d'un mode, d'une map, donc qui est la map The Valley, The Old Farm. Alors un truc comme ça, je ne sais plus trop. Ouais, ça doit être ça, c'est The Valley, The Old Farm. Donc une petite map très sympathique. Moi, franchement, je l'aime bien. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques, allez, on va dire quelques défauts dans la map. Alors oui, quelques défauts dans la map, mais franchement, elle passe. Elle est magnifique, elle est belle. Il y a des animations un peu partout. Donc voilà. Donc là, on va commencer donc sur la première partie de la map. Donc c'est la ferme. Donc voilà. Donc la partie 1, c'est la ferme, donc où il y a deux zones d'animaux, pas ben, trois zones d'animaux on va dire, parce que bon, il y a les poules, donc la partie des poules, des cochons, les poules, les vaches et les moutons. Voilà, donc on va regarder tout ça. Donc déjà la partie des poules, hein, voilà, petit poulailler simple, tout. Vous avez, donc ici vous pouvez ouvrir les portes et vous pouvez aller ici pour récupérer bah, tout ce qui est tout ce qui est les œufs. Donc ils vont tous spawner sur les bottes de paille dans les caisses. Voilà. Donc pour ouvrir et fermer, vous devez rester appuyé sur le bouton hein, de la souris pour fermer les portes. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez la zone pour prendre de l'eau, par exemple. Donc à la fontaine. Donc vous avez un grand bâtiment à l'abri, donc qui est ici. Vous avez déjà des véhicules qui sont déjà disponibles. Hein. Donc vous avez ici donc une partie donc pour mettre votre gasoil. Et l'autre côté aussi donc qui est, je pense, ça devait être ici pour mettre de l'engrais. Voilà. Vous avez un petit passage bah, ici aussi. Donc ici c'est de l'engrais là. Voilà. Donc la partie de l'engrais qui est ici. Alors ici je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Ici vous avez donc la première, une autre zone avec le karcher donc qui est le lavage. Vous avez ici la partie garage donc des véhicules, donc où on peut modifier les véhicules, les tracteurs, bah, les véhicules, les moissonneuses et les outils, les etc. Donc pour les modifier. Vous avez ici donc un grand garage, un garage, un grand stockage, mais ici c'est pas le truc qu'on va faire le mieux. Vous avez donc ici, vous allez passer au-dessous, donc on verra pour au-dessus. Vous avez donc ici un garage avec le 4x4 dedans. Voilà. Vous avez donc la maison où on peut rentrer, donc qu'au premier étage. Donc qui est au rez-de-chaussée, ce qui est au-dessus, on peut pas y aller. Voilà, donc hop, vous pouvez rentrer. Donc vous avez une télé donc ici qui est... où c'est qu'il faut aller pour vendre les palettes, etc. la zone quoi. Voilà, et vous avez notre télé qui se trouve vers la zone pour modifier les tracteurs. Donc oui, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a Manitou qui est le télé, le JCP qui est en haut, mais ça on y verra. Donc du coup, on va passer. Ici, vous avez la zone pour vous vider vos céréales. Donc vous pouvez vider blé, orge, colza, maïs, soja, tournesol, paille, herbe, foin et canne à sucre.
Donc là, je peux pas faire autrement. Hein. Là. Donc voilà. Donc c'est la map. C'est la map de Black Sheep. Hein. Donc franchement, pas mal. Moi j'aime bien. On a déjà commencé à faire une carrière dessus. Donc comme vous avez pu l'avoir, comme vous aurez pu le voir dans la carrière, dans la carrière suivie que j'ai faite. Donc je viens de commencer une carrière suivie dessus. Donc je vais voir si je vais peut-être faire une partie spéciale pour nous entre nous, comme ça on viendra que dessus, etc. Ici donc vous avez un petit passage. Donc là vous avez aussi un petit abri. Mettre des véhicules ou je sais pas quoi dedans, voilà. Et si vous venez ici, donc vous avez le bouton de la lumière, donc qui allume l'intérieur du bâtiment. Donc la totalité du bâtiment. Et si vous venez ici, tac, donc là vous prenez le petit JCB qui est ici. Voilà. Qui vous amène dans le stockage de paille. Alors, stockage de paille qui est pas mal. Mais niveau utilisation, c'est chaud quand même. Voilà, donc vous mettez avec le Manitou en haut, etc. Et vous le mettez ici. Donc, alors attendez, est-ce que j'ai reçu un message? Donc voilà. Donc il y a quelques soucis donc sur la map. Parce que comme vous pouvez voir, bon, il y a les pépites d'or. Voilà, donc j'en ai déjà deux. Mais dès que vous en trouvez 10 en fait, tout s'affiche. Comme sur la map d'origine, tous les pépites d'or s'affichent. Mais le souci. Mais le souci, c'est que, en fait, il n'y en a pas 100. J'en ai 98 qui s'affichent. Donc, sans compter les 10 qu'on a trouvés, donc il y en a 90 qui s'affichent. Donc, bah, il y en a 80. Il n'y en a même pas 90. Il n'y en a pas 90. Parce que. Il y en a un tout petit peu moins parce qu'il en manque deux. On en trouve que 98. Donc les deux autres, je vous ai posé qui pourraient se mettre. Alors je sais pas si ce sont affichés, mais ils ne sont pas affichés. Voili voilou. Donc, ensuite on arrive vers l'arrière. Donc du truc. Donc ici vous avez deux rampes dans ces lâches. Donc si vous cliquez une fois dessus. Voilà. Une rampe qui monte. Et vous avez la deuxième, bien sûr, qui est ici. Voilà. Et pour descendre, vous avez juste à faire le petit clic droit. Bah, vous cliquez pareil sur le clic gauche pour le redescendre. Donc, vous pouvez passer ici. Donc, là, après, je vais vous expliquer par rapport au silo. Parce que j'ai fait une connerie dans ma carrière suivie, mais bon, c'est pas grave. Ici, donc, vous avez la zone donc, des vaches. Donc, vous avez ici le fumier que vous allez. Récurer donc par rapport aux vaches, vous allez le mettre ici. Vous avez des entrées ici. Donc voilà, hop ici. Donc vous aussi vous avez les deux trucs qui pouvaient bah, que vous pouvez remonter. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez le truc des mouches qui est pas mal aussi. Franchement c'est bien fait. Vous avez donc la lumière. Tac, voilà la lumière elle est mise. Donc voilà, vous avez à peu près pas mal de choses disponibles. Vous paillez, etc. Donc là, vous avez deux barrières à ouvrir, n'oubliez pas. Voilà, donc ici, c'est le vache, c'est l'entrée des champs. Donc vous avez l'auge pour l'eau qui est à l'extérieur. Et vous avez bah, le champ des vaches qui fait tout ça. Vous pouvez même passer sous le pont pour aller jusqu' pour aller de l'autre côté quoi. Donc franchement ils ont un grand prix pour aller se promener.
Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, on va se remettre donc dans le champ. Alors, ici, donc, on sort de la partie des champs, hein, et ça, je vais vous faire montrer après. Ici, vous avez des silos. Donc, vous en avez deux plus un. Donc, ça fait pas trois. Je suis d'accord, ça fait trois. Mais vous avez le premier silo en silage ici, le deuxième ici et le troisième pour mettre du stockage. Donc moi ce que j'ai fait, j'avais mis des cannes à sucre, mais j'avais vu que en fait et ben le silo qui se trouve à l'intérieur du bâtiment là-bas et bien il prend la canne à sucre. Donc pas la peine de le verser par terre. Voilà, vous mettez des bêtas, des pommes de terre, ce que vous voulez, des bottes, des. Voilà ce que vous voulez. Donc ensuite avec le deux rampes. Vous avez la tonne à lisier qui est ici. Donc là c'est pareil, vous pouvez ouvrir la porte et la refermer. Voilà. Donc ça on y a vu. Donc ça je vais juste éteindre. Parce que ça on y a vu. Ensuite vous avez l'autre partie. Donc des animaux. Donc là, donc vous êtes de l'autre côté. Donc ici, vous pouvez acheter les animaux. Donc les vaches. Voilà. Vous avez la partie des moutons. Donc qui se trouve aussi dans la même ferme. Donc franchement, qui est pas mal, hein. Vous avez aussi la lumière. Voilà. Pas mal. Donc l'auge. Les palettes, ils spawnent ici. Donc si vous avez une de plaine, c'est pas grave. La deuxième va se mettre ici à côté. Donc franchement, c'est déjà pas mal aussi. Vous avez un deuxième silo d'ensilage, donc que vous pouvez peut-être prendre, mettre le foin. Donc en silage de foin si vous voulez le mettre ici. Et vous avez une grande zone où il n'y a rien. Waouh, il n'y a rien, mais il manque des bâtiments. Et non, c'est que en fait, c'est vous pouvez placer des bâtiments que vous voulez ici. Donc moi dans ma carrière suivie, comme vous avez pu le voir sur la vidéo si vous l'avez vu, j'ai placé le bâtiment pour la paille ici. Mais après elle va changer, on verra ça dans la prochaine, dans les prochaines saisons, enfin, dans les prochains épisodes, on verra. Vous avez des stockages ou des abris ici. Voilà, donc sinon vous avez ben, des autres trucs à côté. Vous avez des entrées de champs, d'herbes, des champs ici, etc. Et vous avez aussi donc une partie, donc ça on verra bien après, vers les cochons. Donc là on va se diriger vers les cochons. Tac. Donc les cochons. Un autre bâtiment. Donc qui est vraiment joli. Hein. Ici, donc là, vous avez le fumier qui va se mettre ici. Vous venez ici pour pailler. Voilà. Ouais, c'est ici de toute façon pour pailler. Il n'y a pas le choix. Hop, on va passer par là. Donc bâtiment. Ouais. Donc vous avez donc ici pour mettre de l'eau, la manger c'est à l'intérieur. Vous avez des autres bâtiments de stockage ici ou pour des abris comme vous voulez. Vous avez un petit tunnel ici aussi, regardez. Franchement c'est pas mal. Voilà, donc la porte au foin se rouvre aussi. Vous avez un autre abri ici. Et là vous pouvez passer ici aussi pour rejoindre. À l'arrière du bâtiment et un petit chemin de terre qui sert, donc franchement qui est pas mal aussi, hein. Faut bien y penser sur les maps. Si vous venez ici, tac, ou de l'autre côté, hein, vous rejoignez la fosse à lisier pour les cochons qui est ici. Voilà, tout simplement, hein. C'est pas bête. Voilà, donc le pré, donc la pâture des vaches, des cochons, pardon. Voilà. Donc, vous avez aussi, donc, on va aller faire un petit tour, ben, ici. Donc là, vous avez la partie de la ferme 2. Alors, ferme 2, c'est l'endroit où c'est que j'ai pas mal aussi. Donc voilà, vous avez des bâtiments. Des autres silos de stockage, voilà. Je crois que c'est même aussi pour l'ensilage, je crois. Voilà, donc c'est possible pour l'ensilage. Vous avez des autres bâtiments
d'abri ou de stockage. Vous avez des garages. Ici, un grand bâtiment aussi. Donc, garage, voilà. Vous avez ici aussi pour mettre le gasoil ou pour modifier vos véhicules, donc qui est pas mal aussi. Un autre stockage aussi, donc on dirait presque le bâtiment qui était sur. Et bah, c'est le bâtiment. Vous savez, sur la map All Stream Map. Voilà, donc c'est celle-là. L'entrée du portail aussi. Voilà. Voilà. Et vous avez aussi un grand machin plat. Un grand sol plat pour placer des bâtiments que vous voulez. Donc bien sûr, ici, ça risquerait que je modifie mon bâtiment pour le mettre ici, hein. Voilà, tout simplement. Je vous le dis. Voilà. Donc ça peut être une ETA comme vous pouvez ici. Vous avez donc une autre partie aussi. La ferme 3. Donc qui est vraiment aussi joli, hein. Une autre partie, donc de stockage, des autres abris, l'endroit pour vendre du foin et de la paille. Voilà. Vous avez un silo, bien sûr. Vous avez un petit silo, donc qui est joli aussi. Donc des champs d'herbe, etc. Une petite maison. Franchement, il est joli, hein. Super joli. Voilà, donc le petit chemin qui va bien aussi, je trouve. Ensuite, vous avez une autre partie, donc voilà, donc vente de la paille. Vous avez vente des céréales ici aussi. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, ici ou ici, donc on peut vendre ici aussi. Donc du blé, de l'orge, du colza. Du soja, des tournesols, des palettes de laine, un peu de tout en fait. Voilà, donc ça se passe ici. Ensuite, donc je vais vous faire montrer. Donc les cochons c'est fait. Le biogaz. De toute façon, je vais pas vous faire montrer tous les trucs, mais vite fait. Donc la partie du biogaz, les silos qui sont ici. On vend. Voilà, on vend ici. Donc avec la petite plateforme, qui est pas mal. Voilà, on vend ici. La balance là, l'entrée. Donc je crois qu'il y a deux entrées sur cette cette biogaz là. Je suis un peu moins sûr. Voilà, il y a deux entrées, une ici et une quelque part par là-bas, donc qui est ici. Tac, et on arrive ici. Voilà. Pardon. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est encore vente, à peu près un peu partout qu'il y en a. Il y a un peu des ventes de paille, etc. un peu partout, avec des ventes de céréales aussi. Voilà. Vous avez le shop. Alors le shop, il est pas mal, parce qu'en fait, il se trouve ici. Voilà. Donc un petit shop Massey Ferguson, Josquin, MSM et Bezer. Voilà, donc vous avez ici. Vous pouvez aussi placer des bâtiments ici, hein, c'est faisable parce que les véhicules spawnent à peu près ici, là, par là. Voilà. Des autres abris ici, des bâtiments là. Vous pouvez passer par derrière et là vous pouvez acheter ou modifier des véhicules ici. Voilà, l'entrée. Le logo pour venir acheter directement ici. Donc là, on va arriver dans le petit village. Donc il y a une zone qu'on peut vendre des œufs. Alors attendez, c'est pas ici. Les œufs, voilà, c'est ici. On vend les œufs ici, dans le petit bâtiment là. Voilà. Prendre des semences, l'entrée ou la sortie, comme vous voulez. Donc franchement une petite map. Donc les panneaux à peu près pas français. Je sais pas de quelle région ça peut être, Allemagne ou je sais pas. Mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ensuite, donc ici il n'y a pas beaucoup de bâtiments, d'abris. Salut. Mis à part des petits endroits comme ici, par exemple de stockage, par exemple, que vous voulez mettre des abris. Stockage ou abris, hein.
Après, c'est à vous de voir. Et on arrive ici dans la partie donc. Et bah. La Syrie. Vous avez des trucs ici, des cannes à sucre. Donc, des deux entrées aussi que je comprends pas c'est laquelle. Donc voilà, bref. Vous avez donc l'endroit pour vendre. Donc le bois. Ici, l'endroit pour vendre les copeaux. Ici, bah, le bois. Hein. Comme indiqué. Vous pouvez acheter l'eau ici. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. Voilà, encore quelques défauts quand même, mais bon. Est-ce que ici on peut vendre aussi du bois? Sûrement. Je ne sais pas. Donc la Syrie, ah, attention, vous la connaissez. De toute façon, c'est la même qu'il y a sur la map d'origine. Et vous avez les copeaux. Donc vous pouvez vendre aussi les copeaux ici. Voilà. Copeaux. Le bois, vous savez où c'est que c'est. Il y a encore quelques arbres ici. Vous pouvez mettre un petit peu ici de local. Hein. C'est. Moi, franchement, je trouve ça sympa. Donc, niveau qualité des trucs, c'est un petit. Quelques défauts, mais. C'est pas grave, c'est quand même joli. Hein. Ça, il n'y a rien à dire quand même. Voilà, donc on peut le vendre ici. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Parce qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas vues. Donc la ferme 3 hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Sinon, on a tout vu. Ouais. On a tout vu. Donc vous avez aussi donc l'endroit pour acheter les animaux. Hein. Donc c'est ici. Donc on connaissait le bâtiment. Donc genre sur la map, au stream map, il y avait le même bâtiment. Voilà, on peut le vendre aussi ici. L'entrée, etc. Hop, vous venez là et vous achetez les bâtiments, les animaux ici. Voilà, j'ai le R. Vous achetez et puis voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et voilà. Donc vous avez aussi quelques petits passages, hein, si vous voulez vous promener sur la map, par exemple, faire un petit tour, etc. Un petit parcours, c'est franchement c'est joli, j'aime bien. Donc voilà, par exemple là, vous avez un autre chemin là. Vous avez aussi ici, qui est franchement qui est pas mal. Voilà, je ramasse en même temps des lingots. Lui, il me dit rien par contre. Lui, il me dit rien. Bon, je vais faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y aurait pas des pépites quelque part, parce que c'est bizarre que je n'ai pas 100. Je n'ai eu que 98. C'est un peu chelou. Donc voilà, donc passage là, etc. Le magasin, champ d'herbe aussi, donc il y a des moments qu'il va falloir que vous les achetez. Donc ça c'est un peu normal aussi. Trouver quelques défauts dans le village. Dans quelques villages j'ai trouvé quelques défauts. Mais ça c'est pas. Il n'y a rien de grave. C'est tout, hein. C'est pas. Vous avez la banque ici. Voilà. Ouais, c'est tout. Le petit passage aussi qui rejoint dans un champ là. Un champ d'herbe. D'où, en plus, je l'ai pris, je crois, en plus, ce champ d'herbe. Dans ma map, je ne sais plus. De toute façon, on fera un peu de tout, hein, du bois, un peu de tout, parce que ça changera. Après, donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la map. Mais merde. C'est là que j'ai envie d'aller. Voilà, donc là on est dans le champ des moutons. Donc voilà, donc je pense que on a fait le tour à peu près correctement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des messages. Dès que j'aurai un moment, un petit temps, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci de toute façon. Voilà. Ensuite. Ben après c'est tout, hein, je veux dire. Ah si, aussi vous avez aussi un petit local là. Voilà, ici par exemple.
Vous avez aussi des petits locaux ici, hein, des abris, etc. Donc, en véhicule. Donc, déjà en véhicule, on va faire le tour ce qu'on a. Alors, on a le petit New Holland. Voilà, le petit New Holland. Le 8340. On a le petit 1455. Donc, avec quelques outils. On a le petit JCB. On a la case 1660 Action Flow. Et on a quelques machines, etc. On a le petit Lizard. Bon, je suis curieux de savoir si. Ah non, il n'y en a qu'un en fait. Donc voilà. Alors attendez, voilà. Oh, non, il n'y en a qu'un. Donc voilà. Donc écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va faire deux vidéos à peu près. J'arrive à 30 minutes à peu près. L'autre, elle a fait un petit peu plus de 30 minutes. Donc là, franchement, je suis content. Donc écoutez les amis, moi je vais vous dire à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Family Simulator 17. Et je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.